Coucou à toutes! Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une petite carte très très simple, rien de compliqué comme d'habitude. Donc, vous voyez, elle est très sobre et facile à réaliser. Donc, je vais vous dire tout de suite les mesures et les outils qu'il faut prendre. Donc, pour le matériel, je vais prendre du papier blanc de ce bloc-là de chaque action. Donc, je prends tout de suite ma feuille blanche. Voilà, donc du bloc comme ça de chaque action. Ensuite, il vous faut une feuille de bloc. Donc là, c'est toujours un bloc de chaque action comme ceci. Et je vais prendre le même que j'avais utilisé. Il est où? Il est où? Il est. Enfin, je ne sais plus. Décidément, là, voilà. Donc je vais prendre celui-ci. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle, un ciseau, c'est la même chose. Vous allez avoir besoin d'un petit compas. Voilà. D'un cutter. D'un crayon de bois. D'une règle. Et ensuite, d'un dies qui sera plus petit que votre rond de compas. Voilà. Je vais vous expliquer après pourquoi, à quoi il va servir. Et forcément, une machine de découpe, si vous n'avez pas, vous ferez à la main. C'est la même chose. Donc, on y va. Donc, pour les mesures, je vais faire un fond dans ça, dans ce papier-là de 10,5 sur 15. Alors, j'ai un fil, parce que mes chats ont joué avec mes bobines de fil. Vous allez prendre votre massicot, vous allez couper à 10,5. Voilà, 10,5 sur 15. Donc je vérifie bien que ça fait 15. Oui, ça fait 15, mais ça fait bien 15. Voilà. Ensuite, votre papier blanc. Donc il va faire 10. Je diminue de 0,5 à chaque fois. Qui va faire 10 sur 14,5. Voilà, ce qui va nous faire la base, le fond dessus, qu'on va venir coller. Voilà, on aura l'encadré avec le foil. Et ensuite, on reprend le papier, le motif, et on va faire 9,5. Sur 14. Voilà. Maintenant, on a nos trois papiers. Nos chutes, forcément, on les garde. Enfin, c'est pas vraiment des chutes. On peut refaire des bases de cartes avec. Donc là, je vais venir déjà coller ça sur le fond. Donc, j'aurais dû prendre un autre bidon. Plus chargé, ça va mieux. Donc je fais tout le tour de ma carte. Voilà. Voilà. Un petit peu partout, comme ça je peux étaler. Je colle sur mon fond avec le foil, je le centre bien forcément. Vu que je mets de la colle liquide, je peux régler si jamais il y a un petit décalage. Voilà. J'étale bien ma colle. Donc ça, c'est de la colle de chaque action, hein, les filles. Là, taquiglou. Hop. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, la partie qui est ici. Je vais faire un cercle. Donc, je prends ce cercle-là de mon dies. Je vais le faire plus grand. Comme ceci, oui. Vous voyez, ce que je fais, c'est que je le, avec mon crayon, je pique au milieu de mon dies et je prends une mesure au-dessus. Donc 0,5 au-dessus. Donc là, je suis à l'envers de mon papier fleuri. On est d'accord? Mon rond, je vais le mettre où je veux, là. Je veux le centrer. Hop. Voilà. J'aurais peut-être pu faire plus petit. J'aurais pu faire plus petit. Je rectifie.
Vous voyez comme quoi on fait, on efface, on recommence si ça ne nous plaît pas. Et comme c'est sur l'envers et que ça sera collé, eh ben on peut. Donc là, je me remets au centre et je vais faire comme ça. Là, ça me paraît plus petit. Oui, là, c'est mieux. Bon, si je me débrouille pas bien avec le compas, ça ne va pas aller. Voilà. Donc là, j'ai fait mon rond sur mon papier. Et je vais venir, avec ma règle, tourner. Je vais essayer d'appuyer pour que vous voyez bien. Du coup, de vous positionner, de vous baisser un petit peu plus. Voilà. Donc là, j'ai mon rond. Je vais venir faire un trait. Alors, je vous montre. Et je prends mon cercle et je viens faire des traits. Il me faut 14 morceaux comme ça. Donc à chaque fois, je tourne avec ma règle. J'essaye de faire le même espace. Donc je me dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait un petit peu trop espacé. Vous voyez, je rectifie comme ça. Il me faut 14 petits morceaux. Me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points autour de mon cercle. Et après, j'ai plus qu'à tracer en essayant à peu près de faire le même espace. Hop. Voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Je tourne autour de mon cercle. Des traits qui va directement sur la carte. Alors pas trop espacé non plus. Voilà. Voyez. N'y a pas de mesure exacte. Vous faites la grandeur que vous souhaitez. Et ça nous donne ceci. On est d'accord. Maintenant, avec votre ciseau, ah oui, j'avais oublié de vous dire le ciseau, vous voyez. Vous allez venir avec votre ciseau, t'as pas plus petit Mélanie, si j'ai plus petit, hein. Voilà. Vous prenez votre ciseau et vous allez venir couper, mais jusqu'au bord du cercle, pas dépasser. D'accord? Tous les traits. Vous allez appuyer, hop, enfin couper, jusqu'au cercle. Vous dépassez un petit chouïa, bon, c'est pas encore trop grave. Voilà, comme ceci. Hop. Et vous tournez jusqu'à temps que vous avez fait tous vos traits. Ça nous permet en même temps de passer les papiers chargés. Ça, c'est fantaisie, ça change. Moi, ça change. Je l'avais vu dans un magazine. Alors, où est-ce que je l'ai mis le magazine? Eh ben, je l'ai viré. Bref, j'avais vu ça dans un magazine et je me suis dit, ben, pourquoi pas le refaire en tuto avec les filles. Ça peut changer un petit peu des cartes habituelles qu'on voit. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai coupé tous mes traits. Et là maintenant, alors ça c'est la partie où il faut faire attention et surtout de bien protéger votre table. Vous prenez votre cutter et vous allez faire un morceau sur deux. Attention, je vous montre. Vous allez longer votre cercle avec votre cutter. Vous faites un morceau. Vous sautez ce morceau-là et vous coupez celui-là. Ainsi de suite, un sur deux, vous coupez. Donc là, j'y vais.
J'espère que j'ai pas fait de bêtises, moi. 1, 2, 1. Si, c'est ça. J'avais fait des bêtises, moi. Attendez. Je coupe celui-là. Bah, vous voyez, j'ai déjà fait des bêtises. En vous parlant en vidéo, j'ai pas coupé le bon. Ça, c'est tout, Mélanie. Voilà. Je parle et je fais des bêtises. Donc, on va rectifier la bêtise à Mélanie. Là, je vous jure. J'ai coupé, je vous dis, un sur deux. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je coupe celui-là d'à côté. C'est tout moi. Voilà, donc moi, j'ai refait un petit trait. Bon, il sera plus petit, mais c'est pas grave. Donc là, on recommence. Je coupe celui-là. Je me trompe pas maintenant. Je regarde ce que je fais. Au lieu de regarder le rendu ici. Ça m'évitera de faire des bêtises. Vous voyez, ça va vite, hein. Et oui, forcément, du coup, que j'en ai refait un en plus. Il y en a un en moins. Ah, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc là, je suis obligée de refaire en deux. Je vais y arriver, hein. La carte qui était super facile, mais Mélanie, elle a assez compliqué la vie. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que vous tombiez sur un nombre pair pour que vous puissiez couper 1 sur 2. Au pire, voilà, pour éviter de faire des bêtises comme moi, vous faites la partie à couper, à couper, à couper, à couper, enfin voilà. Et les parties qui restent. Comme ça, vous vous retrouvez plus en disant, bah tiens, au moins j'ai pas deux croix à côté, c'est bon, mon compte, il tombe juste en fait. Hein, voilà. Je ne sais pas si je m'explique bien, ça va aller. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de tuto, voilà, je dis des bêtises. Donc, bah, il ne me reste plus que cette partie-là qui n'a pas la petite croix à couper. On est d'accord. Voilà. On se retrouve avec ça. On est d'accord, voilà. Là, je vais prendre la petite machine. Donc là, la règle, on n'en a plus besoin. On referme le cutter avant de faire des bêtises. Vous allez placer votre machine avec... Donc là, j'ai pris mon... Vous allez placer votre dies. Je vous montre dès que je l'ai placé. Voilà. Ici, le centré pour faire un arrondi. On est d'accord? Oui, c'est bien. Voilà. Je le passe dans la machine. Ce qui va nous former ce centre-là. Voilà. Donc, je le passe dans ma machine. Hop. Voilà. Je mouline. C'est fait. Je ressors. Je retire la partie qui est au-dessus, qui nous donne un cercle. Oh bah vous voyez, j'avais coupé un petit peu plus. Décidément, c'est la vidéo boulette. J'avais coupé un petit peu plus que le cercle, donc voilà ce que ça fait. Mais c'est pas grave, vu que c'est décollé que d'un morceau, ça va pas être gênant. Je vais venir coller cette partie-là sur ma carte, du coup. D'accord? Et là, donc je mets ma colle derrière. Sur toutes les parties. Cette partie-là, on ne jette pas. Hein. Attention. Hein. Attention, attention. Faites pas de boulette. C'est la journée de la boulette aujourd'hui. Voilà. J'en mets un petit peu partout. Et je vais venir le coller sur mon fond. Voilà. Hop. Voilà.
Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer aussi ce que je ferai en tuto avec vous bientôt. Parce que je me suis avancée, mais j'ai pas pu filmer avec monsieur en télétravail à la maison. C'est pas top top quoi. Je préfère laisser la connexion à monsieur pour qu'il puisse travailler que de faire des tutos, hein. Il y a des priorités dans la vie. Et je préfère qu'il avance dans son travail. Donc là, j'ai collé le fond. D'accord, voilà. Je vais venir garder ce petit rond-là. Et dans le papier, alors est-ce que je regarde des fois dans mes chutes, est-ce qu'il y en a un entier? Non, comme par hasard, il n'y en a pas un entier. Je vais prendre un petit morceau comme ça. Donc là, je vais rajouter le petit décor du motif. Donc là, je contourne vite fait autour. Voilà. Et je vais venir redécouper tout autour de la partie. Comment dire? Alors ça va mieux avec celui-là, il est plus pointu. Autour du motif pour pouvoir le coller au centre de mon décor. Alors, j'aurais peut-être dû le découper avant pour vous éviter ce passage. Je n'ai pas pris d'avance, hein. Est-ce que je fais pause pour avancer plus vite? Au lieu de faire des bêtises, je vais faire pause, hein, j'arrive. Donc là, j'ai bientôt fini. Il me reste mon petit morceau. Vous avez vu, vous, ça vous a paru. Même pas une seconde. Et hop, Mélanie, elle avait déjà fini de couper son petit motif. Donc là, j'ai le petit motif pour mettre au centre. Donc là, je vais le coller. Et après, vous avez juste à marquer un petit sentiment. Le tour est joué. Donc oui, je vous disais de garder cette partie-là pour mettre justement de la colle ici pour le remettre dans le centre. Voilà. Et de coller le petit embellissement dedans, bien centré sur la carte. Vous avez vu? Hop. Voilà. Rien de compliqué. Donc celle-ci, j'ai fait l'encadrement même autour ici en bas. Mais sur cette carte-là, je ne l'avais pas fait. J'avais coupé directement à 10 sur 14,5. Comme ça colle vraiment au bord. Tandis que là, ça fait comme si qu'elle pouvait tourner autour de la carte. Elle n'est pas collée, collée, collée au bord. Voilà. Et là, bah, après, vous avez juste à mettre un petit sentiment. Moi, j'avais marqué tant de souvenirs à préserver avec deux petites plumes que j'avais mis ici. Donc là, bah, je vais faire pareil. Je vais venir tamponner avec la Versafine mon petit sentiment. Voilà. Et en fait, je suis venue le contourer avec mon cutter, ma règle. Voilà pour. Parce que là, en fait, ça me fait un tag et j'ai pas envie de coller un tag. Donc, il vous suffit de redécouper autour de votre tag. Si je commence à faire des bêtises, c'est pas ma journée aujourd'hui, je vous l'ai dit. Voilà. Hop. Et j'ai ma petite étiquette que je suis venue détourer en dehors du tag. Voilà. Soit je la colle comme ça. Oui, je ne vais pas mettre l'encadré noir. La dernière fois, j'avais mis l'encadré noir. Et ben là, je me dis que non, j'ai pas envie. Et ben, je vais mettre du double face 3D. Voilà.
et la disposer où j'ai envie sur la carte. Je pense que là, non, je la laisse en haut. Non. Alors, si je te mets pas droit, ça va pas aller. Voilà. Voilà. Donc là, la carte pour moi est terminée. J'en rajouterai pas plus parce que sinon après c'est trop chargé. Donc je vais laisser comme ça. Je vais laisser reposer, coller. Et puis voilà, je pense que ça fait des petites cartes assez sympas. Ici, j'avais rajouté un petit strass en bas. Vous pouvez très bien rajouter des demi-perles, des strass, enfin ce que vous voulez autour. Ou mettre un papier de fond rose, ce que vous voulez en fond. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre comme moi les combos de couleurs. Vous faites à votre goût. Hein. Voilà, voilà. Donc c'était une petite carte simple, rapide à faire. Et puis ben voilà, ça me faisait plaisir aussi de vous la montrer. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis ah non, c'est vrai. Donc la prochaine carte qu'on va faire, c'est celle-ci. Très simple aussi. J'ai refait, ben, je parle en même temps. Hein. J'ai refait aussi le petit panier de Lucie. J'ai fait en vert comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y a même des petites créas de packs que j'ai faites par rapport au tuto que Sofiana m'a envoyé. Et du coup, j'ai fait des petits lapins comme ceci. Voilà. Donc, je pense que je ferai le tuto aussi bientôt. Ça peut amuser les petits pendant les fêtes de Pâques. Enfin, voilà. Pendant le confinement. Si ça peut les occuper de l'après-midi, une fois qu'ils ont fini leurs devoirs pour les détendre, tout simplement. Eh ben, pourquoi pas leur faire un petit tuto aussi aux enfants. Donc, eh ben, moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo en espérant que je pourrai filmer demain avec le confinement. Parce que monsieur en télétravail, comme je vous ai dit, je ne peux pas me permettre de filmer comme je le voudrais. Donc, c'est normal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!